Salut tout le monde, c'est Nightmare et aujourd'hui on se retrouve sur du Black Ops 3 à peu près 3-4 jours après ma vidéo. Après ma toute première vidéo, je m'excuserai. Petit réglage. Voilà, c'est parfait. Donc mon skill a quelques. Enfin, mon niveau a quelque peu évolué, donc mon skill avec. Là, je suis niveau 13. La dernière fois que j'étais au niveau 3, ça commence bien. Ah, c'est le Night Fatigué qui vous parle là. Il est assez tard. Le mec s'est foutu juste là. L'ennemi est juste là en fait. Voilà. Bon, faut savoir que j'ai le casque donc j'entendrai un peu mieux les ennemis arriver. Donc, même si ma concentration n'est pas immense, je devrais me démerder à peu près. La deuxième. Ah, je vais enchaîner les deux. J'ai commencé à parler à moi-même parce que lors de mes fatigues, je parle à moi-même. Oui, c'est une technique qu'on fait pour se réconforter. Hein. Par contre, faut que j'essaye de parler parce que si je parle pas, le gameplay va pas être. Enfin, la vidéo va pas être très riche. Ouais, par contre, j'ai. Là que je peux vous parler vite fait. Oh, c'est beau ça. Ah merde. Bon, je pense que cette vidéo, je la sortirai après mon gros fail sur Rainbow Six. Je sais pas si je vais mettre avant ou après, tout dépend. Mais j'ai pas mal de jeux à vous faire en vidéo. Et ça, c'est un truc que je suis vachement soulagé. C'est que. Au départ, je me suis dit merde, je vais voir la PS4, j'aurais pas tellement de jeux à leur proposer. Et moi qui me faisais une grosse hype de leur proposer, je me sens pas rester 3 mois qu'avec du code quoi. Et là, ça va, j'ai pas mal de jeux, notamment GTA 5. Donc, ça, c'est chose de base. J'ai Rainbow Six Siege. Point de choc, je pense que j'en ai essayé ça. J'ai Rainbow Six Siege, comme vous avez pu voir, comme vous verrez. J'ai chopé Dying Light aussi. Ça, je l'ai pas encore essayé sur PS4, mais il faudra que j'essaye à fond. Il y a Xenoverse aussi que je me suis repris avec tous les DLC, donc. Dommage. Ça va être cool aussi à essayer. Je sais que je n'ai pas encore fait d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Là, je suis en train de parler du film. Ah, fils de pute! J'ai chopé Dying Light. Après, il y a quoi? Bon, je sais plus du tout, là, je suis totalement paumé. Battlefield Hardline aussi, sauf que j'ai eu un souci avec le CD, j'espère l'arriver assez rapidement. J'ai pas de problème avec les Battlefield. Je suis dans le noir, j'arrive pas à voir le nom de mes jeux. J'ai aussi The Last of Us. Mais ça, je pense pas que je fais une vidéo dessus. En vrai, que vraiment, j'ai fait une vidéo détente et que je suis pas trop loin dans le jeu et pas trop prêt pour vous spoiler. Donc, c'est pour ça là que j'ai la PS4. Je vais en faire une chier de vidéo. Surtout que voilà la vidéo. Non, je sais pas si celle-là sera sortie. Enfin, je sais pas du tout dans quelle heure je vais mettre mes vidéos en fait. Bon. On est parti. Ah, cette map, je l'aime bien, c'était la map de la bêta, ça. Attendez, je crois qu'il y a un spot sur cette map, si je me mets là, comme ça. Il est déjà pu utiliser ce spot. Ouh, elle est bien à l'arrière, Master. Très peu utilisé, juste assez pour débloquer le visage. Par contre, là, la question que tout le monde doit se poser, c'est qu'est-ce que j'en pense à peu près de ce code. Ça fait. Allez, depuis le 25. Bah, ça fait 5 jours que je l'entre les pattes. Faut dire que les allers-retours famille, machin, j'ai pas tellement de temps de jouer, mais. Pour le peu que j'ai joué, je vais pas vous donner un avis trop construit parce que ça fait que 5 jours que je l'entre les mains. Comme je vous l'ai dit, je vous donnerai mon avis au bout d'un petit mois. Comme vous pouvez le voir, j'ai une connexion assez potable. Dans les 5 jours, j'ai pas eu tellement de soucis de quoi que ça. Pourtant, madame télécharge ou regarde la télé ou autre. Donc, c'est pas ça qui dérange.
Par contre, le seul bémol que j'ai, c'est au niveau des armes. Je sais pas, il... Mais tu es quoi, lui? Je sais pas, je trouve qu'au niveau des armes, il y a un petit... Oh putain, j'avais ressenti ça aussi avec Black Ops 2. Il y a un petit manque au niveau des armes. Je sais pas comment en sortir. Ok, je suis mort. J'étais en panique. Je sais pas, il y a un petit manque d'armes. En gros, j'ai... À part la Manowar que je trouve... excellent, que j'avais testé, je sais plus où et comment. Mais la Manowar, c'est la seule arme que j'ai envie de débloquer en fait. Il n'y a aucune arme que je me dis, celle-là il faut que je débloque à tout prix, machin. Alors qu'avant, par exemple, je pourrais regarder un fardeau, tout le monde connaissait la puissance de la K-47 par exemple. Je me fais démonter, c'est ouf. Au début de vidéo, je dis que mon skill a augmenté, mais pas du tout en fait. Moi aussi, un petit peu augmenté quand même, on peut se le cacher, mais voilà. J'ai entendu du bien de celle-là. Par contre, ce viseur est juste sublime. Il y a un truc, c'est que... Moi, à la base, ce que j'aimais dans Code, c'était son... Pas son réalisme, loin de là, mais... Son côté réel, c'est-à-dire ses armes réelles, machin. Et je trouve qu'ils ont tellement merdé avec Modern Warfare 3 et tout merdier... Que... Mais il me spam avec son arc, quoi. J'ai limite envie de dire que j'ai pas fait Advanced Warfare ni Ghost, mais je pense que ça fait un renouveau d'avoir des armes sophistiquées comme ça. Je sais pas pourquoi, mais Titanfall m'avait vachement intéressé, c'est par rapport aux armes. Je sais pas pourquoi, j'ai un... Je sais pas, le petit côté futuriste comme ça, ça donne un cachet assez cool à Code. Putain, est-ce que donc... Oh, fait chier. Dans Black Ops 2, ils avaient un peu commencé ce genre de truc, mais ils avaient gardé quand même des armes assez basiques. Fils de chien. Bon, j'ai lancé de la demi pour changer un peu. Donc je disais, par rapport à vous qui avez commencé par exemple sur Black Ops 2 ou sur Ghost, qui avait pas, je crois, mais sur Advanced Warfare, quand vous avez vu le déplacement comme ça, ou pour ceux qui ont commencé sur Advanced Warfare, vous trouvez ça super logique que ça y est dans Black Ops 3. Mais pour nous, c'était une putain d'innovation. La première fois que j'ai vu ça, c'était sur Titanfall, je crois. Le truc qu'on pouvait se grimper sur les murs et tout le bordel là. Mais on n'avait jamais vu ça avant. Et pour nous, on était là, waouh, ouais, c'est quoi, ça a l'air stylé sur FPS. Lui. Mais pour vous, ça avait peut-être la logique. Et bien, en fait, pour moi, je pense que pour tout bon fan de. Partant dans un débat, je vais pas dire bon et mauvais fan. Pour tous les fans d'avant. Pour tous les fans de Modern Warfare 1 et 2 et qui ont été déçus des avant-derniers codes et qui ont fait une pause, je trouve ça super parce que moi j'ai fait une pause de 3 ans sur code parce qu'à une époque j'étais là, ouais, je rentre chez moi, je joue à code quoi. Et ben, moi j'ai ayant fait une pause de 3 ans et là je reviens avec l'envie de tester ce nouveau Black Ops, Black Ops 3 qui c'est. J'en attendais rien du tout, je comptais même pas l'acheter à la base. Et quand j'ai vu les premiers trailers, j'ai fait ouais, un Call of the Buzz quoi, ça peut être de partout et basta. Mais après, j'ai regardé des gameplays, j'ai regardé des gens y jouer, j'ai vu les réactions, j'ai fait ah, il m'intéresse quand même. Et là, bon, la fameuse bêta, que j'ai pas vu grand chose parce que j'ai pas eu tellement d'y jouer, mais que j'ai vu pas mal de gameplay et je me suis dit ouais, il m'intéresse. Et franchement, je l'attendais quand même, pas avec impatience bien sûr, j'attendais d'autres trucs avec impatience, mais j'attendais un peu ce code quand même. Et là, franchement, je suis pas déçu, j'espère qu'ils vont faire d'autres patchs, machin. Bon, avant j'étais un grand joueur sniper, là, oui, je suis pas du tout sniper, mais je tente des fois de sortir le snipe pour m'éclater. Et je veux dire, les snipes ça passe. Je veux dire, les connexions sont pas aussi dégueulasses que dans je sais plus quel code. Les armes sont pas aussi dégueulasses que dans Ghost. Putain, il paraît n'importe où ce fils de. Ah. J'en ai vu un dernier mois. Les armes sont pas aussi dégueulasses que dans Ghost. Les maps sont pas aussi dégueulasses que dans Ghost. Advanced Warfare, je peux pas du tout critiquer parce que j'ai pas joué. Mais franchement, si vous en avez marre par exemple de ce code là, bah faites une pause. Vous faites une pause de.
un ou deux ans, je sais que pour vous ça paraît dingue. Moi aussi ça m'a paru dingue de plus jouer à COD pendant ce temps-là, mais tentez d'autres jeux les gars, je sais pas moi. Bon, moi j'étais à l'époque de Modern 3, donc je peux pas vous dire comment faire, parce que moi le jeu de l'époque c'était Minecraft et je crois que League of Legends était sorti. En gros j'ai gratté du LOL, après j'étais sur GTA, BF, beaucoup de BF, ça. Je sais même plus combien d'heures j'ai sur BF tellement je l'ai séché sur PC ou même console. Et après changez de plateforme si vous pouvez, si vous avez un PC assez performant, changez de plateforme par exemple. Le mec il m'a humilié à part ça. Toi tu meurs gentiment. J'ai dit toi tu meurs. J'ai dit toi tu meurs gentiment, merci. Ah oui, pas lui. Mais voilà, après, c'est vos choix et c'est vos jeux, machin. Franchement, ça marche du tonnerre. Bon, à part ça, les gens ne vont pas mourir ce soir. J'étais bloqué par je ne sais pas quoi, j'avais un peu l'air con. Par contre, il y a une technique. La technique du... pas du coup par coup, mais... Parce que là, regardez, si je mitraille comme ça, ça sert à rien. Le truc du... ça marche super bien ça. Je trouve que les points stratégiques, enfin les points de capture sont vachement à découvert par contre. On a intérêt à bien savoir jongler parce que c'est chaud. Hein. Ouais, des fois j'ai de belles actions comme ça et des fois il se passe rien. C'est plat en fait. Ce serait tellement bon qu'il y a plus de gens là. Plus d'alliés et plus d'ennemis en fait, qui plus de fight, voilà ce qui manque un peu. C'est 200 hein, je crois, la demi. Putain, on tient les parties, il y aura assez longtemps, c'est cool. Ça me rappelle la ligue de BO2. Putain, les matchs, qu'est-ce qui pouvait être long dans ce truc. C'est cool parce que au dernier moment, ça pouvait partir en couple. Merde, tu vois. Putain, à chaque fois je crois que c'est des ennemis. Ouais, bah j'aurais pas pu utiliser mes points de choc. Oh, ça, j'ai un rapace. Ah, je peux contrôler le rapace. Eh, c'est Ah, si, je peux faire ça. Ça ressemble un peu au RCX des volants, là, comment ça s'appelait. Dragonfire, voilà. C'est aussi nul qu'un Dragonfire quoi. Ça déconne plus les mecs. Oh le dégoût. Je fais un score positif et je m'en bats les steaks. Bon allez les amis, je pense que... je suis déjà à 27 minutes de vidéo déjà putain. Alors par contre les gars, comptez pas du tout sur moi pour faire des quickscopes, des... Flashscope, n'importe quoi. C'est plus du tout mon truc ça. De quoi elle est pas passée celle-là? Mais de quoi il passe pas mes balles en fait? De où? Moi ça c'était The Hardscope les mecs. Le FDP. Ok, si tu veux. Peut-être parce que j'ai pas les bons spots, je sais pas. On joue avec ça. Bon, c'est fini, connerie, ouais, on va passer la seconde. Ok, tu me tires. Ah, je peux pas passer ici. Shit. Oh, c'était beau ça. C'était beau, mec. Je prends mes... ça fait deux vidéos que j'ai fait en live, deux vidéos que je prends une dérouillée, quoi. Je crois que ça va être un peu chaud à remonter, quand même. De toute façon, je peux rien faire que...
On peut monter là-dessus. Oh, stylé. Oh, épervier ready. Non, mec, on va chasser du caribou. Ok. Ça, je trouve ça stylé, par contre. La map, j'aime pas, mais ça, je trouve ça stylé. Quand on penche la tête comme ça, on a... Je sais pas pourquoi ils ont eu cette idée, là. Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe dans la tête des développeurs quand ils créent une map, mais... Ça doit être assez mouvementé, je dirais. Deuxième vidéo que je fais de la journée en live commentary. Deuxième vidéo où je me fais démonter. J'espère quand même que ça vous aura plu. Que la qualité est pas trop mauvaise. J'essaye de faire de mon mieux pour régler mon game capture, mais c'est difficile. C'est la première fois que j'ai un truc aussi sophistiqué dans les mains. Mais bon, ça se solde par une défaite. J'espère que cette petite vidéo sur Black Ops 3 vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et aller mater les anciennes vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bonne fête de fin d'année, même si c'est déjà passé pour vous. Ciao, ciao, tout le monde.